Les amis, est-ce qu'il serait pas temps de partir découvrir le tout nouveau chapitre qui est sorti sur Roblox Piggy, le chapitre 5 de Piggy Book 2. Ça faisait un moment que je l'attendais et il est enfin sorti. Donc comme à notre habitude, si je vois que Piggy vous plaît vachement moins que à ses débuts, ben ça me fait quand même toujours plaisir de découvrir les nouveaux chapitres de Piggy. Et si j'arrive pas à le terminer aujourd'hui, bah je vais essayer, je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de faire un petit live en votre compagnie pour qu'on essaye de le terminer ensemble. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir ce tout nouveau chapitre de Piggy. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des futures vidéos. Et sinon, bah on est parti, on balance l'intro maintenant. Allez, c'est parti, Piggy Book 2. Et nous allons tenter de tomber sur le chapitre 5, ce qui risque d'être assez compliqué, je pense. On va voir, de toute façon, on va voir. Ok, là, je sais pas... Ok, très bien, j'allais dire, je sais pas trop dans quel chapitre je suis, mais je risque de ne pas le savoir, vu que là, je suis complètement mort. Donc, on va essayer de retrouver une game, mais qui commence. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé un serveur, j'espère qu'ils vont tous voter pour le chapitre 5. Je sais pas pourquoi tu votes pour le chapitre 4, frérot. Donc, let's go pour chapitre 5, Serious, ça s'appelle. Trop dans quoi, en fait, on est, on dirait une sorte de gros bâtiment. On va tous voter player, et on croise les doigts vraiment pour que ce soit pas moi qui soit Piggy, s'il vous plaît. J'ai vraiment galéré, j'ai dû attendre quand même un petit moment avant de pouvoir commencer une game, du début jusqu'à la fin. À la fin, ça on verra, mais pour voir la cinématique et tout, je suis sûr que ça va être moi. Non, c'est pas moi. Yes, j'espère qu'elle va pas quitter par contre. Ok, voyons voir la cinématique. On retrouve toute la bande. Et t'as Zizi qui se remet. Hey, quick, vite, j'ai besoin de que vous venez vite, descendez. J'ai besoin de votre aide pour ouvrir une porte. Ok, je vais y aller. Le reste d'entre vous, restez ici pour que les gardes ne soient pas suspicieux. Donc en gros, nous sommes en prison, mesdames, messieurs. Nous allons nous faire une petite prison de break. Et là, nous sommes partis. Donc let's go, il faut ouvrir la porte, etc. Blablabla. C'est parti. Ok, je vais essayer de pas mourir. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Oh putain. Ok, ça m'a fait peur. Je pensais qu'on pouvait mourir, que c'était de l'acide. Premier objectif, c'est de trouver un objet, une clé, peu importe. Et j'ai vu qu'il y avait un skin incroyable. Incroyable, c'est un crocodile, genre il y a un skin crocodile pour quand tu incarnes Piggy. Enfin là c'est pas Piggy mais peut-être Croqui ou Crocodili, je sais pas comment ce qu'il s'appelle. Mais en tout cas il y a un nouveau skin qui est plutôt cool. Je connais pas du tout l'endroit, j'espère vraiment pas me faire éliminer dès le début. Couloir extrêmement étroit. Hein. Oh il y a une clé ici. Ok j'ai récupéré une clé, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser. Là il y a des nouveaux pièges, c'est de la dynamite, ça fait peur ça. La cadenas rouge, vraiment que j'observe. Je vais essayer de pas avancer trop vite, on sait jamais si à un moment donné, bam, je tourne et hop, il est juste devant moi et je me fais avoir comme ça. Je serais vraiment dégoûté. Je vais plutôt essayer de prendre mes marques, explorer un petit peu. Ouais, ici c'est un endroit où il n'y a rien de particulier, je sais juste qu'il y a le cadenas rouge pas loin. Ok, je l'entends, je l'entends. Ok, attends. Ne le ramène pas s'il te plaît. Ouais, c'est vraiment des couloirs très étroits, hein. Ici c'est bloqué. Wow, ok, il m'a fait peur. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, si tu vas un petit peu trop vite, des fois je suis sûr que tu peux te faire avoir bêtement. Hop, on ferme la porte ici. Là, on a un box où il faut une clé violette. Ouais. Où est-ce que je pourrais utiliser ma clé jaune, moi? Ici, c'est le cadenas orange. Je m'en fous, hein, si je trouve une clé de couleur. T'inquiète pas que je vais prendre la clé et remplacer ma clé jaune. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une clé, en fait, qui servira, mais plutôt pour avoir un taser ou un truc dans ce délire-là, tu vois. Mais en aucun cas, je pense que ça me permet d'avancer pour l'instant. Ouais, ouais, t'as vu ça, les pièges? Je crois que c'est des pièges, hein, ces dynamites-là. Je sais pas si ça tue ou si juste ça te paralyse pendant un moment. Je préfère pas tenter en les touchant, je suis pas de mytho. Je préfère pas risquer ma vie. Ouais, là je reviens, je suis un petit peu perdu. Hein. On peut aller ici ou pas? Non, on est bloqué, ok. Il faut que je trouve un endroit. Il faut que je trouve une clé, hein. Toi qui pourrais me servir, parce que là, c'est, je ne sers à rien pour l'instant. J'entends. On a encore quand même quelques-uns dans la map, ça fait plaisir. On va aller par là-bas. J'espère qu'il va pas se focus contre moi. Non, honnêtement, ça va. Il m'a l'air de m'avoir lâché. Je sais pas où se trouvent les clés, en fait. Ça rend fou. Soit tout le monde a les clés sur eux. Ah, ici, regardez, il a une clé. Ok, le cadenas orange. Ok, c'est un nouvel endroit. Là, on a les planches, très bien. Il y a un tournevis ici. Ça a débloqué une sorte de nouvel accès, un nouvel endroit du bâtiment. Donc c'est cool, ça veut dire qu'ils avancent quand même un petit peu malgré tout. Moi, je sers à rien pour l'instant, mais c'est pas grave, au moins ils me font découvrir la map davantage. Et ça, c'est pas négligeable. On va les suivre parce qu'ils ont l'air de bien connaître le chemin. Ah, ici, il y a une nouvelle salle avec un truc ici. Il fallait le tournevis en fait pour pouvoir débloquer ça. Il faut des rouages maintenant. Peut-être qu'à un moment donné, ma clé va servir. Hein. Pour l'instant, elle sert à rien, mais je la garde actuellement bien au chaud dans ma poche. Parce que je suis sûr qu'à un moment donné, je vais pouvoir l'utiliser. Le cadenas rouge est toujours là. Donc si toutefois je tombe sur la clé rouge, je la récupérerai. Et je vais suivre la fille. Elle connaît vraiment par cœur, j'ai l'impression. Regardez, elle vient de... Ok, elle a de nouveau fait avec le tournevis ici. Elle a du coup les rouages. Ça a débloqué quoi? Elle connaît par cœur la map, j'ai l'impression. Tomber sur la meilleure alliée possible, hein. Ça va être notre guide. Ah là, elle est bloquée. Je sais pas pourquoi est-ce que tu tentes d'aller par là-bas. Mais là, tu es bloquée, ma petite demoiselle.
Tu ne pourras pas passer par ici. Pourquoi est-ce que tu tentes de faire ça? Je ne comprends pas. Ah, à moins qu'elle discute avec l'un de ses amis et que du coup, lui va vider le liquide qui est actuellement présent. Et que c'est pour ça qu'elle attend, en fait. C'est peut-être ça, le bail. Je crois que ça doit être ça, ouais. Ok, Piggy a été assommé pendant 20 secondes. Bon, c'est pas vraiment Piggy, mais t'as capté. On va continuer de la suivre. De toute façon, moi, je sers à rien pour l'instant. Je suis vraiment le boulet, tu vois, qu'on transporte. Écoutez, c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu la chance de tomber sur une clé importante ou quoi. Donc, je peux rien faire, ok? C'est pas de ma faute. J'aimerais bien aider, mais je peux pas aider. Elle est revenue ici. Je crois qu'elle a l'air d'être un peu perdue. Ah non, elle est rouage aussi. Il faut d'autres rouages, en fait. D'accord, je vois. Enfin, je pense qu'elle connaît une bonne partie de la map, mais peut-être qu'elle n'a jamais été aussi loin, et que du coup, elle sait plus quoi faire après. On lui manque les objets nécessaires. Oula, ok, il y a le méchant qui est là. On va éviter de tomber dessus. J'aimerais pas me faire éliminer maintenant. Ce serait bien, bien dommage. On a retrouvé une autre collègue ici. On va traverser. Voilà. Ah, les rouages! Ok, vas-y, c'est bon. Là, les rouages, on va la suivre. Elle a trouvé les autres rouages qui vont permettre de lancer la machine, là. Une sorte de tableau de bord ou générateur, je sais pas trop ce que c'est. Vas-y, on la suit. Faut pas qu'elle se fasse éliminer maintenant, ce serait vraiment dommage. Parfait, ça. Alors, ça active quoi, du coup? Ok, donc il y a les deux trucs qui sont activés. Et là, c'est peut-être ça qui va permettre de vider le liquide qu'il y a, non? En bas. Je crois que ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça, ok. Ils ont fait descendre le niveau du truc. Nickel. Et là, il faut avoir un cadenas bleu. Sauf que je pense que personne n'a la clé bleue nécessaire pour débloquer ça. Aïe, en effet, personne n'a ce qu'il faut, c'est bien dommage. Putain, pourquoi j'ai pas la clé bleue? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour récupérer la clé bleue, il faut débloquer le cadenas rouge. Ou alors peut-être inversement. Peut-être qu'en débloquant le cadenas bleu, on pourra récupérer la clé rouge pour débloquer ici. Je sais pas trop, écoute, je vais essayer de faire un petit tour d'observation pour peut-être tomber sur les objets qui manquent. Là, il y a une clé verte, mais je pense qu'elle sera d'aucune utilité pour l'instant. Elle a sûrement déjà été utilisée. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui vient de débloquer. Donc c'est parti, on va aller voir en bas. Oh putain, il est là. Ok. J'ai très très peur, il me fait très très peur. Vite. Est-ce qu'ils ont débloqué l'accès? Oui, ils ont débloqué l'accès, les amis. Ils ont débloqué ici la porte. Donc ça nous donne cet endroit-là. Ici, il y a de l'air, mais je vais garder ma clé pour l'instant. Dès que ça tombe, j'ai la clé la plus importante du jeu. Et je ne le sais pas encore. Il nous suit de près, Ils ont sûrement récupéré la clé rouge. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais me faire avoir au dernier moment alors qu'on est bien avancé là? J'ai pas envie de me faire avoir maintenant. Non, le cadenas rouge est toujours là. On va redescendre en bas. En même temps, ça me permet de faire un énorme tour pour pouvoir essayer de distancer le monstre. 3 minutes dans la game. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir la fin ici, même si j'aurais rien fait? Au final, c'est pas grave. Oh, quick, let's go, venez. I can use to pull, hot whatever, shiny. Il faut un balai. Il faut un imbus 2000, mesdames, messieurs, pour qu'il puisse nous aider. On n'est pas loin de la fin. Je suis sûr que c'est l'une des dernières étapes. J'ai entendu également un cadenas qui vient de se débloquer. Certainement le cadenas rouge, le fameux. Hein. Donc, est-ce que si ça tombe, on va avoir la fin du chapitre, les amis, du nouveau chapitre? J'aurais vraiment eu un coup de chance, hein, parce que là, j'ai rien fait. Oh, c'est quoi ça? Waouh, ça fait trop peur. Ok, elle est assommée. Attends, ah, mais non, regarde. Oh les amis, c'est moi, j'avais l'objet le plus important. J'avais la clé la plus importante, comme je l'ai dit. Je savais que ma clé allait servir à quelque chose. Je pensais pas que c'était pour le balai. Merde. Non. Pas en si bon chemin, s'il te plaît. Pas en si bon chemin. On va terminer le truc. Allez, faut qu'on l'amène. Ok. J'ai l'impression qu'il essaye de me rouler dans la farine. Il essaye clairement de me rouler dans la farine. Il faut absolument que j'arrive à donner le balai. Il m'attend. Il reste qu'à aller devant la porte. Aïe. Il faut que j'arrive à apporter ce balai. T'imagines, j'avais la clé la plus importante. La clé de fin. Tiens, Zizi. Prends le balai. Ok, il a le balai, il fait quoi avec? Ah, il nettoie pour passer là-dedans, peut-être? Il débloque le passage. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Ok, ça doit lui prendre un petit peu de temps, je pense. Ça doit pas être aussi simple que ça. What? Oh! On a une clé grise. Mais je sais pas à quoi elle sert. Je sais pas à quoi elle sert, la clé grise. Elle sert à quoi, cette fichue clé? Je suis en stress de ouf, je sais pas où amener la clé. Mais non, il reste que 23 secondes, c'est pas possible. On y était, les amis, on avait la dernière clé qui nous permet sûrement de s'échapper de la cellule, c'est ça, il faut que je revienne au niveau de la cellule, mais j'aurai jamais le temps. Mais non, j'ai un seum là, pas possible. Bon, on n'est pas compte à quel point j'ai le seum ici. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Mais là, malheureusement, le temps était contre moi, je n'ai pas pu. Mais non, c'était ici, je suis sûr que c'était ici. Là, le cadenas était juste là, mais non. Ah, j'ai vraiment le seum. Bon, écoutez les amis, c'est pas grave. Là, j'ai vraiment pas la faute de recommencer tout alors que j'étais à un poil de fesse d'y arriver. Ce qu'on fera les amis, c'est que je vais essayer mercredi, comme je sais que vous êtes là pour la plupart à l'après-midi chez vous. Nous allons essayer de terminer ce chapitre-là ensemble. Parce que là, je suis sûr qu'il y a moyen. Ensemble, on est toujours plus fort et on a toujours eu les fins des chapitres de Piggy. Donc mercredi, si vous êtes chaud,
on se tape un petit live sur Piggy et on essaie d'avoir la fin ensemble. Bref, si vous voulez ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour montrer que bah, vous êtes chaud pour cette idée, à mettre dans les commentaires bien évidemment ce fameux live. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, ne pas rater le live de mercredi s'il se fait. Et sinon, bah, je suis très content d'avoir pu découvrir ce nouveau chapitre de Piggy. Très très cool, mais j'étais vachement stressé. Voilà, je suis vraiment dégoûté. 5 secondes de plus et j'aurais réussi à débloquer le cadenas. Mais bon, c'est la faute à pas de chance. J'ai déjà eu beaucoup de chance d'arriver jusque là pour ma découverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. D'ici là, restez connectés. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. C'était votre bon vieux Frit. Ciao, ciao tout le monde.